Pour entrer dans un monde de motifs, il suffit d'ouvrir les yeux. Le motif est présent partout autour de nous. C'est un élément visuel qui incite à la contemplation. Il est le fruit d'un hasard méticuleusement régulé par les forces de la nature. Il se retrouve aussi au cœur du processus créatif de l'être humain. Tant de formes, structures figuratives ou abstraites, énergiques ou fragiles, pleines de couleurs et de contrastes, nous submergent et deviennent source d'inspiration. L'être humain, qui a su donner une valeur esthétique aux choses qui l'entourent, voit ses sens stimulés. Depuis des milliers d'années, le motif nous accompagne. Il orne les coquillages et les cavernes au temps du Paléolithique, il revêt les fresques gallo-romaines de l'Antiquité, il part les monuments religieux du Moyen-Âge, il voyage sur la fascinante route de la soie, il traverse l'espace et les siècles. Le motif détient une renommée universelle, mais une identité qui se construit à travers la perception individuelle de l'être humain. Il nous est difficile d'apporter une définition précise et limitée au terme motif. Ou du moins, nous peinons à établir une définition sans y apporter une once de sensibilité. De là, le simple terme de motif qui trottait dans notre tête a mûri et est devenu thème. Un thème nous ouvrant à une réflexion qui n'attend qu'à être enrichie. Car oui, le motif est riche et l'être humain a besoin de richesse. Pour éveiller ses sens, partir dans une aventure de l'œil et de l'esprit. Nous vous invitons à prendre le temps de découvrir les beautés de notre monde qui se dévoilent sous notre regard investigateur pour le régal de nos pupilles. Un motif attire-t-il le regard outre mesure ou est-il banalisé par notre cerveau tant sa visibilité déborde dans notre quotidien? La sensation est l'essence même du plaisir vital et primitif que peut connaître l'être humain. N'est-il pas agréable d'être enivré par une chose aussi courante qu'un motif? Nous sommes partis à la recherche d'ambiance et de lieux remplis d'émotions. Afin de comprendre la notion de motif, nous avons tissé une histoire avec les regards d'une artiste et d'une scientifique. Pour moi, c'est plus une expression artistique. C'est dans ce canal-là, en tout cas, que je me situerais. Un motif a une signification symbolique. Il a une composante de forme, mais il a aussi une composante de fond, une signification. Il contient de l'information. Nous ne sommes pas tous réceptifs à valeur égale au délicat esthétisme d'un motif. Et c'est là toute la complexité de la perception humaine. Comment réagit-on face au motif? Retournons à l'origine de la perception, avec le fonctionnement du cerveau humain. Je travaille sur l'origine cognitive et évolutionnaire de la perception esthétique. Moi, je vais vous parler d'une conception particulière qu'on appelle la conception computationalisme. On conçoit le cerveau comme une machine à traiter l'information sensorielle, c'est-à-dire qu'on a un input qui va être un stimuli visuel, mais ça peut être sonore ou tactile, et on a un algorithme qui va traiter l'information, et puis on va avoir en sortie l'output qui va être par exemple la reconnaissance d'un objet, un peu comme un ordinateur, c'est-à-dire que l'algorithme là qui va traiter l'information qui parvient du monde extérieur, c'est les réseaux de neurones qui sont à l'intérieur du cerveau. Pour donner un exemple plus concret, imaginons qu'on est en train de regarder les motifs d'ailes de papillon. Et en fait, donc, ces motifs sont l'image 3D qui sont dans le monde extérieur, c'est l'input, c'est ce qu'on appelle l'input. Et en fait, cet input doit être projeté sur la rétine dans une image 2D, et ensuite il va y avoir une chaîne de traitement de l'information par différents réseaux de neurones, différents types de cellules, et le motif, au niveau du cortex visuel primaire en tout cas, va être décomposé en ses composantes élémentaires, c'est-à-dire les composantes de contour, la texture, le mouvement, la profondeur. Cette information va être transmise
le long des axones vers des régions un petit peu plus complexes du traitement de l'information, où finalement cette décomposition va être renversée et petit à petit les neurones vont faire des assemblées neurones pour recomposer le motif et on va avoir un output qui va nous dire « Ah bah là, ce que je vois, c'est des ailes de papillon. » Et donc en fait, on arrive à de la conceptualisation. Nous vivons dans un environnement chaotique, rempli d'informations. Le cerveau va extraire des structures informationnelles qu'il va ensuite utiliser pour certaines fonctions liées à son développement biologique et évolutionnaire. C'est ainsi que la perception se crée et que l'œil est éduqué. Alors commence le processus de création chez un artiste. Je travaille le motif sous des formes très diverses. Ça peut être à la fois dans le domaine du textile, de l'ameublement, de la mode, qui me permettent d'exprimer de manière assez libre le motif. Un des motifs que je trouve particulièrement intéressant et qui m'a beaucoup inspirée, qui est d'ailleurs très ancien, c'est le tartan. C'est un motif qui permet de différencier les clans en Écosse. Et là, moi, j'ai voulu me le réapproprier. Et donc là, on peut voir à travers les différents dessins ici, tout un jeu de grilles, des compositions totalement différentes, avec des univers différents. Ça peut être à la fois loufoque, ça peut être complexe, ça peut être architecturé. Un nouveau motif qui naît à chaque fois. Et ce qui est assez drôle dans le tissage, c'est qu'on a également donc son inverse. Donc dans un textile, on a à la fois l'endroit et l'envers qui sont tous les deux aussi intéressants l'un que l'autre. Ce sont le croisement de deux couleurs qui donnent toutes les nuances. Donc dans ce sens-là et puis dans ce sens-là. Un peu comme si on avait une peinture translucide et en mélangeant les calques, on obtient différentes tonalités et couleurs. Donc là, c'est une autre vision du motif. Et là, on a des choses brillantes, on a des fils de laine où il y a justement de la matière qui émerge de tout ça. Et c'est ce qui permet d'avoir une autre lecture aussi du dessin. C'est, en termes d'application, ça peut être évidemment pour des textiles d'ameublement, pour des vestes, voilà. Mais l'application, en tout cas dans le motif, vient après, pour moi. En fait, j'ai extrudé à la manière d'une architecture. Et ensuite, en tournant autour de cette 3D, j'en ai extrait un point de vue. Et de ce point de vue est né un motif. Parce qu'un motif, c'est aussi la répétition. Ma démarche, justement, s'articule autour d'univers qui n'ont pas forcément à voir à faire ensemble. J'étais partie de l'idée de faire des galets. Et là, je me suis dit, tiens, et si je dessine des galets, mais pas vraiment des galets, puisque j'aime pas ce côté un petit peu trop évident. J'en ai fait des galets, mi-corps humain, mi... Donc il y a toujours une dimension quand même assez organique dans mes dessins. Et où on joue justement sur cette ambiguïté-là. On part d'une forme, on ne sait pas si c'est un serpent, un lombric. L'idée, c'est de laisser un petit peu libre cours à la projection qu'a chaque personne de ses dessins. Car si la source de toutes les passions est la sensibilité, l'imagination détermine leur pente, disait Jean-Jacques Rousseau. En contemplant le motif, on plonge dans un océan d'histoires et de rêves. Derrière chacun d'eux se trouve une signification et une symbolique. Le designer William Morris écrit qu'aucun motif ne devrait être dépourvu de signification. Quand on pense à un motif, on pense à un assemblage de couleurs, de formes, mais qui n'ont pas vraiment tellement de signification, autre que ornemental et décoratif. Alors que simplement, si on pense au cas d'un tableau, un motif a une signification symbolique. Il a une composante de forme, mais il a aussi une composante de fond, une signification. Il contient de l'information. Par exemple, si on regarde un tableau religieux, on va voir donc une femme et des pains, mais en fait ça se lie à plusieurs niveaux, le motif se lie à plusieurs niveaux. Cette femme, ça va être donc une femme, mais c'est aussi, ça peut être aussi une allégorie qui représente la paix, la justice, et puis ça peut être aussi la Vierge Marie, et puis les couleurs qu'elle porte sur sa robe. Par exemple, si elle porte du bleu, ça peut avoir une certaine signification. Et puis, il y a aussi tout le contexte historique et culturel dans lequel a été fait ce tableau qui compte. Eh bien, le motif, pour moi, c'est,
c'est assez complexe finalement. Tout peut devenir motif. Tout peut être répété, tout peut être placé, tout peut être... ça peut être décoratif, purement. J'aime pas trop ce terme. Pour moi, c'est plus une expression artistique, c'est dans ce canal-là en tout cas que je me situerais, plutôt que dans le motif comme on l'entend, c'est-à-dire motif décoratif, motif qu'on appose un peu partout, sur des oreillers, sur des draps, des rideaux, des papiers peints, etc. Enfin, moi, je le vois plus comme faisant partie intégrante du lieu et véhiculant une certaine atmosphère, une ambiance. La nature reste le plus bel univers à notre disposition. Mais il ne faut pas oublier qu'elle est en partie régie par des lois scientifiques et des structures mathématiques. Le mathématicien Alan Turing se penche au cours de sa vie pour développer le premier modèle théorique et mathématique sur la morphogenèse des motifs animaliers. Ces motifs animaliers, donc les patterns de Turing, ce sont des motifs donc particuliers que l'on peut reconnaître parce qu'ils sont composés d'un assemblage de petits points, de réticulations, de lignes, de courbes. Vous pouvez les voir par exemple sur les queues des poissons guppies, mais il y en a partout dans la nature et le modèle de Turing peut même simuler aujourd'hui par exemple la répartition des points sur le léopard ou des choses comme ça. Alors il existe de très nombreuses sortes de motifs très disparates et très complexes chez les animaux, mais qui ont deux principales fonctions qui sont le camouflage et l'attraction, et il y a une espèce de trade-off, une espèce d'équilibre, une balance qui s'établit entre les deux. Il faut comprendre le motif sous la forme de signal écologique, c'est-à-dire que les motifs ne sont pas là juste pour être ornementaux, nous on les trouve beaux, etc., mais ils ont vraiment des fonctions au sein de l'évolution. Alors si on prend par exemple le cas des ocelles, c'est un motif particulier qu'on retrouve de façon très large chez plein d'animaux. Ça peut être sur les ailes de papillons, ça peut être sur les plumes de paon. Et en fait, ils sont très intéressants parce qu'ils ont une fonction de leurre, ce qui va détourner l'attention d'un potentiel prédateur et qui va confondre le mouvement avec cette tâche. La fonction première des motifs, ça a été le camouflage. Mais à cette fonction première, c'est rajouter une fonction secondaire qui est de pouvoir entrer en jeu dans l'attraction sexuelle. Donc on ne sait pas s'il y a vraiment un sens esthétique chez les animaux, mais en tout cas, les animaux sont réceptifs à des belles couleurs, sont réceptifs à certains agencements de forme particuliers plus que d'autres, parce que ça va être des signaux, par exemple, de bonne qualité développementale. Cette fonction d'attraction, elle a au départ vraiment dérouté les scientifiques, parce qu'au départ, il semble être un coup et être même préjudiciable à la survie de l'animal. L'exemple le plus connu, ça va être celui du paon. Quand on le voit déployer ses plumes, ça lui coûte une énergie déjà incroyable de fabriquer des plumes pareilles, de faire des parades, etc. Et donc si un potentiel prédateur passe par là, bien sûr, c'est très préjudiciable pour lui. Donc c'est toujours une balance qui s'établit entre attraction et camouflage pour assurer la survie, mais également la reproduction. La fonctionnalité du motif chez l'animal nous semble désormais justifiée et indispensable. Mais il n'est pas simple d'accorder un caractère fonctionnel au motif fabriqué par l'homme. Donc il y a une dimension du motif que je trouve vraiment intéressante, et là ça se rapprocherait plus du design textile, on va dire. C'est le motif associé à la fonction. Donc là, par exemple, c'est un motif qui a été formé dans la matière. C'est une forme de plissé, on va dire. Le motif associé à la fonction et à la fonction acoustique. D'où vient cette irrépressible envie de création du motif de la part de l'homme? Le motif est énormément exploité et repris par les artistes. On le retrouve notamment dans l'immense collection de la Design Library, qui abrite plus de 7 millions d'échantillons représentant des motifs. Cette bibliothèque est là pour nourrir l'inspiration des artistes. Un motif peut être signé et appartenir à une marque ou à un créateur. Il obtient alors une identité. Différentes propriétés peuvent le définir. Son époque, son moment artistique,
la technique utilisée, le thème, et une infinité d'autres caractéristiques. Il appartient alors à une famille. C'est le cas pour le tartan, mais aussi pour l'artembe. Les couleurs sont vives, les formes simples. Le motif tembe dégage une énergie de liberté et véhicule des émotions primaires telles que l'amour et l'amitié. La fonction première de l'artembe est de faire passer un message. Une fois que nous avons posé une identité sur le motif, qu'est-ce qui fait qu'il va plaire ? Comment utiliser cette perception dont nous parlions plus tôt pour ressentir du plaisir en contemplant le motif ? Que la superstimulation, c'est une très bonne intuition et un très bon point de départ pour comprendre la perception esthétique d'un motif. Qu'est-ce que sont que les superstimuli ? Ce sont des, comme leur nom l'indique, des stimuli visuels, par exemple, qui vont superactiver certaines cellules nerveuses. Il y a certaines études qui montrent que, par exemple, superactiver des cellules, par exemple, liées au circuit de la récompense, qui est lié au plaisir, même au plaisir sexuel, etc., permet de comprendre déjà à un bas niveau l'origine de l'expérience esthétique lorsqu'on regarde un motif. Il y a aussi d'autres hypothèses sur le fait que les stimuli optimaux correspondent aux champs récepteurs de certaines cellules nerveuses. Alors, qu'est-ce qu'on entend par correspondre aux champs récepteurs d'une cellule nerveuse ? C'est un stimulus qui va vraiment correspondre à la structure géométrique en fait, du réseau de neurones qui va le percevoir. Et en fait, finalement, quand le stimulus va être optimal, il va être traité de façon plus rapide, plus efficace. Mais c'est plus facile à comprendre si on illustre ça avec l'exemple de l'art abstrait, par exemple Kandinsky, qui était finalement, comme le disent en fait les neuroesthéticiens, c'est un neuroscientifique intuitif. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que par essai et erreur, en fait, en composant ses tableaux, il a fini par comprendre, même s'il n'avait pas forcément les connaissances scientifiques sur exactement ce qu'était le champ récepteur d'une cellule rétinienne, qu'en réduisant ses motifs à leurs composantes élémentaires, mais dans un agencement spécial, à des disques, avec des lignes, des courbes, selon certains assemblages bien particuliers, il allait produire finalement comme si c'était l'image parfaite pour être un stimulus optimal pour le système visuel. Alors, on peut arriver à un travail complexe à partir de dessins, de traces faites au hasard sur une feuille de papier, mais ça reste quand même un hasard qui est par la suite maîtrisé et qui est retourné dans tous les sens pour voir à quel moment on obtient quelque chose d'intéressant. Des fois, on peut avoir des surprises justement quand on fait du motif ou l'accident fait partie intégrante du motif et justement on en tire quelque chose de parfois plus intéressant que dans la maîtrise absolue de ce qu'on peut faire. Une fois toutes les cartes en main pour le percevoir, il ne nous reste qu'à intégrer le caractère subjectif à la contemplation. Le terme motif signifie, dans les langues anciennes, qui a la propriété de mouvoir. À l'inverse de ce qu'on définirait simplement d'image ou de dessin, c'est un visuel dynamique. L'œil admirateur est lui aussi constamment en mouvement. Le motif nous partage un rythme que finalement seule notre sensibilité propre peut interpréter. Il suffit de se laisser porter. Bien sûr, l'expérience esthétique se joue à plusieurs étages de la cognition. Par exemple, les mathématiciens vont considérer qu'une équation est belle parce qu'ils vont en comprendre l'essence. On est à un stade beaucoup plus haut au niveau de la cognition qui est quelque chose de beaucoup plus conceptuel. C'est pas juste le fait de voir une équation écrite qui est belle. Bien sûr, c'est quand ils vont comprendre toute la portée qu'ils vont en fait avoir un plaisir finalement esthétique du fait d'avoir compris et du fait d'avoir pu suivre tout ce développement intellectuel. Le cas des impressionnistes, c'est intéressant aussi pour comprendre les impressionnistes, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils décomposent la couleur selon des petites touches. Et en fait, ils font exactement ce que font les photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets, qui décomposent la couleur selon ses différentes composantes. Donc si on s'en tenait à ce qu'on disait plus haut, les peintures impressionnistes auraient dû plaire tout de suite à tout le monde, etc. Bon, aujourd'hui, elles ont un succès universel, et donc ça conforte les théories cognitives, mais il y a toujours donc des relations complexes avec, par exemple, les goûts de l'époque, parce que l'impressionniste a été rejeté au début parce que ça ne correspondait pas du tout à des peintures académiques, etc. Donc, il y a
les goûts personnels qui vont entrer en jeu. Et puis, même si il y a certains universaux esthétiques, il faut quand même aussi imaginer que d'un cerveau à l'autre, on n'a pas tous les mêmes réseaux de neurones qui sont organisés exactement de la même façon. Il y a une variabilité même intra-individuelle. Les personnalités peuvent être particulièrement touchées par telle ou telle combinaison de couleurs. Et ça, c'est des choses que nous, en tant qu'artistes ou designers textiles, on peut maîtriser et qu'on peut communiquer. Et justement, on fait appel à une subjectivité de la couleur que l'autre, justement, peut appréhender. Chaque pièce apporte une certaine atmosphère, en fait. C'est comme une peinture qui renvoie à une certaine émotion, à un certain paysage dans lequel la personne qui s'y attache a envie de se projeter. Ça crée des mondes un petit peu assez intéressants, finalement, où comme je disais, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on est, on se situe, et ça donne lieu à pas mal d'interprétations. Le motif n'est pas innocent ou silencieux. Il a une identité qui lui est propre, au caractère contradictoire, puisqu'il peut à la fois paraître ordonné et chaotique. Il peut être modeste, discret et prudent, ou envahissant, bruyant et éclatant. La place qu'il détient est immense. Le motif est décrypté par notre cerveau, analysé par notre regard, et devient esthétique et source de sensations si notre désir de contemplation est assez fort. L'émotion est telle que nous ne restons pas insensibles à son charme. Il continuera à attirer le regard, et qui sait, peut-être même commençons-nous à l'entendre dans la douceur d'une phrase musicale.